Bonjour, mon nom est Valérie Lavigne, je suis enseignante de yoga. Aujourd'hui, pour la capsule de yoga pour la course, je vous propose de travailler à fortifier les muscles des jambes. Les muscles des jambes sont extrêmement importants puisque c'est eux qui vont nous permettre de nous propulser et d'avoir une bonne foulée lorsqu'on court. Diverses façons de les travailler. Première, simplement dans la chaise. On va d'abord s'assurer d'avoir les pieds ouverts à la largeur des hanches. Suite à quoi, à l'inspire, on peut soulever les bras à la hauteur des épaules. Et à l'expire, simplement fléchir les genoux et venir prendre assise confortable. On peut garder la posture entre 30 secondes et 1 minute. Travailler l'endurance musculaire au niveau des cuisses principalement. Si la posture est aisée, à l'inspire, on peut soulever les bras vers le ciel. Si la posture est difficile, on pourrait choisir de garder les bras à la hauteur des épaules et simplement déposer le dos contre un mur. On travaille de la même façon, on fléchit les genoux et on a le support du mur additionnel. Une autre façon de travailler à fortifier les muscles des jambes, c'est les postures des guerriers. Donc on va simplement prendre un grand pas à l'arrière avec une jambe. On s'assure que le genou à l'avant soit fléchi et aligné au-dessus de la cheville, suite à quoi on pourra soulever les bras vers le ciel. On peut garder la posture de manière statique, travailler l'endurance musculaire. Si toutefois on souhaite travailler la propulsion, à l'expire, on peut ramener les poings vers le nombril et tirer le genou vers le ciel. Et à quelques reprises, à l'inspire, on squatte vers l'arrière, on vient redéposer les orteils au sol. Puis à l'expire, on tire le genou vers le ciel et les poings vers le nombril. Donc on enchaîne. Et vous allez voir, après quelques répétitions, déjà la chaleur se répand dans les cuisses et témoigner du travail en cours. Une autre variation, une fois que le genou est vers le ciel, on peut aller un peu à l'image du patineur. Allonger la jambe d'un côté et étirer légèrement les bras de l'autre côté. Ça va travailler l'équilibre, mais ça va également venir renforcer tous les muscles à l'extérieur de la cuisse. Quelques reprises ici encore. Et si l'équilibre est précaire, évidemment, on peut déposer les orteils à l'arrière au sol avant de remonter vers le ciel. Hop. Éventuellement, sans déposer les orteils au sol. Donc, voici donc quelques manières très simples de travailler à renforcer les muscles de vos jambes qui vont vous permettre d'avoir une bonne propulsion et de courir encore plus rapidement.